Madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans un journal spécial SILA sur Média Haïtien en collaboration avec VOA Creole depuis Washington, D.C. Actualité à concernant le pays d'Haïti, juge instructeur Walter Wessé Voltaire rend ordonnance dans sa qui est pour avec dossier assassinat Jovenel Moïse qu'il a instruit depuis un bon bout de temps. Et bien, après réquisitoire définitif, commissaire gouvernement Jean-Edler Guillaume devine adressé avec juge instructeur. Et bien, juge là lui-même qui c'est Walter Wessé Voltaire lui rend ordonnance côté gagné et Martine Moïse qui c'est madame Jovenel Moïse ancienne première dame de la République lui ouais non cité comme monde qui pral juger devant tribunal vraiment et criminel dans ça qui gagne pour assassinat ancien et président Jovenel Moïse là. Et bien gagné Claude Joseph Tou qui c'est ancien premier ministre ancien ministre affaires pays d'Haïti a gagné non cité dans même dossier si là yon l'autre bord gagné ancien sénateur Antonio Cherami qui ouais non effacé dans dossier ça parce que vraiment réquisitoire commissaire gouvernement te fait connaître Don Kato te gagné vraiment rapport avec assassinat là. Et bien gagné Walter et c'est Voltaire qui dit li pa gagné indice contre Don Kato. Et bien gagné vraiment là en pile parler en pile concernant présence Premier ministre Ariel Henry dans dossier ça alors que nous connaissons vraiment plusieurs rapports révélés Premier ministre Ariel Henry a gagné bon rapport avec vraiment suspect clé dans dossier ça qui c'est Joseph Félix Badiou qui lui-même tout bras jugé devant tribunal et criminel selon Walter Wessé Voltaire. Et bien Ariel Henry qui c'est Premier ministre pays d'Haïti jusqu'à présent et bien là non pas cité dans ordonnance ça côté nous à chercher information comme quoi selon ça et Walter Wessé écrit dans ordonnance là il fait qu'on est Premier ministre 26 décembre il a décidé d'étendre la caille il a confié vraiment 6 à 7 juillet il te recevoir en pile appel mais le pas de jambe qu'on est si badio t'es dans mon saio qui t'a pris la nuit 6 pour ivrer et 7 juillet 2021 il était joint en pile appel sous téléphone livré mais pas connaît s'il parlait avec Badio. Toutefois premier ministre en fait qu'on est li rencontré avec Badio depuis nan année 2016 après élection présidentielle yo mais tout li connaît vraiment li te connait Badio c'était bon en mille dans un moment donné parce que en 2010 le Badio était fin ministre intérieur l'el t'a travaillé dans ministère li t'a pral mandé pour collaborer avec en termes de renseignement, selon sa Premier ministre, te confié avec juge Walter Wessé Voltaire, mesdames et messieurs, qui t'a instruit dossier Jovenel Moïse. Et bien, à un moment là, et ordonnance là, l'Iran, une quantité de noms cités parmi eux, Gonzague D, Martine Moïse, Claude Joseph, Jean-Tel Joseph, pour ne citer ça seulement, dans une prochaine édition, n'a bien pour nous baou tout détail sous ordonnance ça qui rend gagné yon lot bon mesdames et messieurs. Dans le département sud-est pays d'Haïti, côté vraiment là, il y a un drame qui est arrivé dans le grand quartier général Séguin. Côté, il y a 16 personnes qui sont levées matin là, et bien, ils ont mouru dans le cadre de mesdames et messieurs, drame côté moun sa ou te al participer nan yon enterrement et c'était 17 moun matin yo jwenn 16 moun ki mouri. Donc dossier ça qui kite gros tristesse nan sud-est précisément nan Séguin. Yon dossier n'ap suiv de près pour nous connaître de quoi il en est nan la mort moun si la yo. L'autre point mais c'est nan international la genyen mesdames et messieurs, la mort est vraiment et Navaldi qui c'est Alexis
qui lui-même là, c'est un opposant farouche, ancien, on dit président et Vladimir Poutine, président la Russie, gagné là, lui-même qui était mort en prison, Navalny qui mourit et gagné accusation qui pas suspendre, posé sous dos ancien, on dit, disons, premier président alors, président et Vladimir Poutine qui gagné non capacité dans l'Amosa en dans prison dans pays la Russie, côté Alexei li mouri et moun va suspendre accusé président Poutine comme quoi c'est lui qui t'a derrière la mort Navalny et gagné là tout madame et prisonnière qui mouri opposant lui-même li dit c'est Poutine qui t'a tué Maril en dans prison. L'autre point dans international là, mesdames et messieurs, gagné vraiment et premier ministre israélien Netanyahou qui parle là et côté li ba yon ultimatum à militants Hamas si yo pas libéré pressé pressé lui-même li pral passer à une attaque vraiment là qui est capable quitter gros remarque dans Gaza et dans tout État palestinien parce que eh bien là premier ministre en fait qu'on est yo pas capable tolérer yo gagner monde qui continue nan mais vraiment eh bien groupe militant Hamas qui trouvé yo dans État palestinien point ça yo avec un pilote nous t'es content présenter yo n'a invité au rite. Pour plus de détails, avec la voix de l'Amérique, VOA Creole depuis Washington. Malgré opération la police et puis en pile question à poser sur avenir sélection féminine Haïti après élimination samedi soir devant Porto Rico dans un match barrage pour Coupe d'Or 2024 la première édition. Et oui, c'est pour ça avec l'autre quoi nous va le développer pour dans un petit moment mais premier et n'a pouvé avec actualité à la région Moyen-Orient. Et puis, nouveau développement dans la guerre israélo-Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lancé un ultimatum par les militants Hamas pour dire si ou pas libéré et otage qui nan meyo en avant Ramadan et ben yo pral fè yon opération brutale nan Rafah. Nous pral gon mise à jour avec Serge François Michel. Nan commencement séance de position, ministre Affaires étrangères palestinien Riyad al-Maliki a accusé Israël comme quoi il a pratiqué apartheid et il a exhorté principal tribunal Nations Unies pour déclarer occupation Israël mettait depuis 57 l'année sous terre palestinienne comme illégal et qu'elle y doit finir immédiatement et puis sans condition. Al-Maliki dit, tant que l'ONU a affirmé ça gagne 20 l'année, peuple palestinien a un droit responsable d'être lié. C'est un droit tout peuple gagne, li pas négociable. Et aucun pays n'a pas oué tel'y nommé un lot. Aucun pays qui occupe un lot, tant qu'Israël, pas qu'à gagner droit pour tout temps pour mettre veto sous droit peuple les occupés. Procès a déroulé pendant guerre Israël-Hamas. Côté toute attention était vite centrée tout de suite, malgré séance date faite pour centrer sous occupation Israël, mettait sans qu'on ait pour jusqu'il est dans Cisjordanie, Gaza et Est-Jérusalem qu'elle était annexée, qui donc entrait sous territoire. Devant le tribunal là, manifestants étaient rassemblés avec drapeaux et avec pancartes et étaient chantés pour supporter palestiniens pendant qu'ils demandaient pour guerre finie. Plus passé 50 États membres de l'ONU pour présenter position devant le tribunal de justice internationale là, sous occupation. Côté opinion, le pape a une force et une loi. Jijio qui prend plusieurs mois avant de finir le débat pour avoir une opinion. Serge François Michel, VOA Creole. Donc c'est un pile suspense concernant Gaza parce que depuis semaine dernière, eh ben un pile menace qu'a fait sous Rafah côté là mais Israël a dit que il pral pilonner Rafah et un pile voix internationale qu'a pleuvé contre une opération brutale comme ça. L'autre point dans l'actualité, eh ben c'est madame défunt Alexei Navalny en parlant de Roulia Nalvanaya, eh ben le fait qu'on est dans une vidéo que c'est président Ruslan Vladimir Poutine qui touye Maril et dans une rencontre qu'il gagne a été gagne jodia avec ministre affaires étrangères européen, il dit que le pral continuer travail Marim en alloi sa pipre. Réaction en dans la Russie, tant qu'au dehors a continué de tomber sous la mort Alexei Navalny, opposant numéro 1 président russe Vladimir Poutine. Kira Yakmish, c'est porte-parole défunt qui fait qu'on est que maman Navalny était allé dans zone prison côté petite Lia
te mourir. His lawyer and his mother, avocat ak maman te allé nan corp, quartier côté prison hier. Employé nan prison te remet maman yon message officiel qui fait connait Alexei mouri 16 février à 2h17 et au fait connait ko a trouvé nan salle cord qui c'est yon l'autre ville et c'est comité kap mené enquête là. Qui était prend quoi? Et maman Nalvani, Ludmila Navalnaya ak avocat défunt Alexei Zetskov té allé nan bureau équipe k'ap mené enquête là. Et jodi a même madame défunt Julia Navalnaya publié yon vidéo côté l'accusé président Vladimir Poutine d'esque li touye Maril pendant dit que li pap abandonné combat Maril t'ap mené. Et Yulia Navalny. Moi c'est Julia Navalnaya. Jodi a m'a parlé sou canal ça. Moi pas doué là. Moi pas doué à pas enregistrer vidéo ça. Yon l'autre monde te doué là. Côté mien là. Mais Vladimir Poutine touye nèg ça. Ça gen 3 jours. Vladimir Poutine touye Marim, Alexei Navalny. Poutine touye papa petit moi yo. Li pran sa m te genyen ki te piche moi te jam genyen dans toute la vie moi. Julia Navalnaya ajoute l'a continué travail Alexei Navalny, l'a continué goumen pour pays et li mande peuple pou sa pour camper bon côté pour partager avec non seulement chagrin mais douleur qui pa jam fini et qui vlope et qui pa jam kite. C'est même message ça madame Julia Navalnaya t'est partagé dans Bruxelles dans pays la Belgique avec ministre affaires étrangères européen qui t'est invité dans une session 3 jours après la mort Maril. D'après groupe droits humains OVD Info, autorité russe arrêté presque 200 moun qui t'a participé vendredi et samedi dans rassemblement qui t'est fait dans mémoire Navalny dans Moscou et dans Saint-Pétersbourg. Dans ville Paris dans pays la France, t'es gain gros rassemblement tout dans mémoire Navalny ak dame ça qui kembe yon photo qui dit Alexei Navalny c'est Opam. C'est même bagaille la tour dans ville Londres en Angleterre, dans Barcelone en Espagne, dans ville Berlin en Allemagne et plusieurs côtés à travers le monde. Dans Washington, président Joe Biden lui-même l'accusé Vladimir Poutine dans la mort Navalny après réaction condamnation qui était sorti bon côté vice-président Kamala Harris avec secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Oui, en pile, il y a un petit problème technique qui fait que nous pas gantan fin suivre tout reportage là. Dans le pays là aussi, avec possibilité pour Vladimir Poutine joignon l'autre mandat 6 ans dans tel pays. Donc c'est comme ça la situation est côté Julia Navalnaya qui c'est veuve et monsieur défunt plutôt et Alexei Navalny et ben gen maman défunt qui t'allait pour le s'il t'avait une quoi il dit que pas et monde que enquête cap mené ou bien comité cap mené enquête là dit que et ben au bon nombre de temps pour faire avant que yo capable remettre quoi et Moscou dit lui-même lui mettait déjà une enquête active sous pied pour capable faire lumière sur la mort Alexei Navalny qui c'est plus gros opposant politique président Vladimir Poutine et n'a pas rappelé que en pile observateur mettait accent sur le fait que eh ben la mort s'est arrivé un mois avant élection présidentielle dans pays la Russie et puis on parlait immigration autorité a prend mesure pour gérer crise qui gagne sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là pour éviter et immigration clandestine. Jean-Robert Philippe a dit non plus dans mesure fait prend yo. Un nouveau mirail a construit sous frontière États-Unis partagée avec Mexique avec objectif pour décourager immigrants à rentrer aux États-Unis sans document légal. Une vidéo agence nouvelle Reuters montré une série de gros machines qui a installé barrières métalliques dans la limite qui sépare Tijuana au Mexique à San Diego en Californie. Lo he visto crecer, lo he visto crecer no solamente en longitud, lo he visto crecer en altura, lo he visto reproducirse. Maria Teresa Fernandez, une militante qui a défendu immigrants au Paribodi, moins ouais barrières à cap augmenté, pas seulement dans longueur mais tout dans hauteur. Mais moins ouais li reproduit d'abord avec un mirail simple, ensuite li doublé et même gen côté li triplé. Moi espéré à tout que moi la disparaître. D'après les médias locaux, nouveau clôture a situé en Tijuana avec San Diego
et li mesure 10 mètres hauteur ou bien 32 pieds 8. Tout si sophistiqué ça, gen structure métallique qui bay bon côté mexicain. Pues es una pérdida de material porque así como ellos dicen que un día este lugar se hizo este está todo Tania Mendoza, kabi nan zone nan, kwè, c'est un pet en matériaux. États-Unis même dit Croatia oui. Imaginez. Pour moi c'est un pet. Moi sûr que États-Unis est capable d'investir l'argent pour le faire l'autre bagaille. D'après l'autre militant qui a défendu les immigrants, le nouveau Cotissa a un objectif de diminuer le flot immigrant qui a débarqué dans la zone avec possibilité pour entrer aux États-Unis sans document légal ou bien pour lui demander asile à condition d'utiliser l'application CBP One pour prendre un rendez-vous. Que van a buscar nuevas maneras porque pues hemos visto como Ramona Valdea qui dit que les immigrants ont besoin d'autres moyens à cause de nos façons de la bâti et c'est raison qui fait nous arriver dans point ça. Nous connaissons dans quel point il y a privé. Les immigrants ont toujours joué une façon pour continuer la route. Ils ont capable de rencontrer plus de difficultés, c'est vrai, mais il y a joué une façon quand même. To expand our border security capabilities, we are building a new Texas military department base camp. Gouverneur républicain État Texas, Greg Abbott, a annoncé sur un passé à plan pour le bâti quand dans une base militaire dans Eagle Pass, tout près la frontière États-Unis partagée avec Mexique, dans un effort pour empêcher l'immigration illégale. Pendant ce temps, un autre groupe immigrant dans l'État Texas a fait un effort pour bloquer une proposition de loi qui a baillé force de l'audio pouvoir pour arrêter tout immigrant et un suspect qui rentrait illégalement dans l'État Texas. Proposition de loi a entré en vigueur dans le commencement de mars là. Pour l'année 2023, un chiffre record immigrants voyagés sous l'Amérique centrale là, traversé Mexique pour venir aux États-Unis à cause de la courir contre pauvreté, violence, changement climat avec conflit. États-Unis encourager immigrants à utiliser moyens légaux pour entrer dans le pays. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Maryland. Merci Jean-Robert Philippe. Docteur, question immigration toujours été dans l'actualité ici aux États-Unis. Et puis ici aux États-Unis, toujours dit à son jour férié, c'est President's Day, même si nous-mêmes nous venons travailler, mais c'est un jour congé. Ici aux États-Unis, actualité à notre pays d'Haïti dans un petit moment. Ou toujours sous VOA Creole, merci de ce qu'on choisit nous pour informer. Et bien, actualité dans le pays d'Haïti, gagné bandit 400 Marozo qui ouvert coup de zam sur un minibus. Et hier dimanche là, en bas Mon Cabrit, gagné 9 moun qui perdu la vie et gagné l'autre qui blessé. Nous allons gagner des détails avec Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Bandi kap opéré dans zone Croix des Bouquets, l'ouvre coup de zam hier dimanche là sur un minibus transport public. 9 moun pou pi piti perdu la vie. Selon association propriété ak chauffeur d'Haïti APCH, minibus sa ki te gen la dan au total 18 passagers tap sorti nan commune Mibale alors que la police tap boukante coup de zam avec bandi 400 Marozo nan niveau Monacabri. Sur route nationale yo ak axe routier secondaire yo, bandi armé yo installé poste péage selon changeux meyu responsable association propriétaire ak chauffeur haïtien. Syndicaliste la mette accent sur calvaire chauffeur yo et conséquence blocage route yo sous prix produit yo nan ville provinciale. Bandi prend toute route nationale yo en otage selon coordonnateur APCH la qui critiquait comportement certains policiers qui selon ça dit allié yo ak bandi yo pour rançonner transporter yo dans ville province qui pi loin yo produit yo vinn piché selon meyu qui précisait si la ou qui voulait contourner poste péage yo obligé utiliser service maritime qui lui-même piché toujours pendant ta cité un exemple facteur carburant. En plus poste péage yo gen tout blindé police nationale d'Haïti qui a prend l'argent dans mes transporteurs yo pour accompagner yo sur route là selon ça mais dénoncé pendant préciser que policiers qui présent à niveau Mariani yo pas au service population. N'a souligné gen pile monde qui dénoncé situation la honte qui déshonoré corps police nationale d'Haïti qui s'est menti pour protéger ak servir population. Sur point ça au commandement PNH là annoncé li déjà ouvri yon enquête dans les. Et puis pendant ce temps, gen la police qui a annoncé que y a fait patrouille, y a mené plusieurs opérations pour qui gens que t'a metté fin action gang Améo ou dans tout ça c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. D'après coordination presse à relations publiques
institution policière CPRP, c'est brigade intervention et recherche BRI, une entité spécialisée dans la police là qui fait partie patrouille sa yo dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, plus précisément Delma 32, 48 et Delma 83, yo présente tout zone derrière Saint-Mitier Port-au-Prince à Cafoufeuille. Selon haut commandement la police là, démarche ça inscrit dans quatre batailles pour combattre grand banditisme dans la capitale là pour permettre à ce que la paix et confiance rétablie dans la population civile. Pendant ce temps, délégation haïtienne qui était en tête li, ministre justice et sécurité publique là, madame Emily Prophète Milsé, et directeur général AIPNH là, France LB qui t'a participé dans rencontre planification avec délégation kenyane sous déploiement mission multinationale soutien à sécurité en Haïti dans Washington DC sorti 12 pour arriver 14 février 2024 retourner dans pays d'Haïti commencement week-end passé. Réunion ça n'a pas rappelé t'est déroulé avec représentant participation pays d'Haïti, les États-Unis avec pays Kenya cap gain pour notre tête mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Merci Renan. Et puis il a parlé toujours de la police et habitants Fort National yon quartier populaire dans Port-au-Prince manifesté jodi a konté information qui t'a fait connaître que la police après levé base brigade opération intervention départementale l'Ouest la Boyd et Massado Vilmé gain détail. Manifestant yo, décision si la, c'est pour capable livrer zone nan. Bay gang belè, yon se te kempes ap dirige. Sou Front National, pa jom kon gen grima sa den. Et tu es sel kase pou bilet pa om nan gen bagay. Piske yo esa, a yel vwe beze krasse kati ya, li beze vwe blase pa kempes li ya, vole li, li gen sou belè ya, kap krasse tout an ba nan iti masta la, li beze fè zone sou Front même jantou. Et nou zin va d'accord. La voix de l'Amérique, France LB, avec Ariel Henry, grand moun sa hont lan, yo deside pou yo leve boy la la. Ne souci. Pour y avoir bandit commissariat, pour y passer avec mon yo qui tape à l'aise. Fond national son commissariat qui gagne non. C'est côté, là on va te cocher premier temps noir, c'est Fond national qui vous baille. Pour dire rien, à tous Fond LB, si il est grand, c'est pour le vin Fond national, pour le vin lever commissariat, pour faire aller sous Paul. Ariel avec Fond LB besoin, et Baye Solino avec Soufo, avec Nek Belé, avec Solino, tout dit Ariel, tout dit Fond LB, tout dit. Communauté internationale, si on avait base Bailala, sacré nos pays, nous pas responsables. Nous pas responsables. Parce que base Bailala, c'est lui qui a protégé nous. Nous sommes nos coups. L'un est assonné et belle et redescendre. Il a protégé, il a fait quelques balles en bas qui ont eu à tuer le Front National. D'après sa protestation, c'est grâce à l'unité Silla qui fait Front National, pas fait partie du territoire perdu. Après, bon Dieu, c'est pas bon, nous pas consommer de tourner le Front National. Nous coucher, bon Dieu, même dans tout corridor, à pousser, bon Dieu, tourner et dans 14, à pousser par un bruit. Parce que c'est comme ça. Bon Dieu, on va y nous dans tout corridor. Là, vous savez, vous donnez. Bon, y'a dans un horizon écarté. Nous ne sommes pas capables. Et nous ne sommes pas d'accord. Au lieu de France LB, t'as dit, la étirée, elle t'a augmenté. Nous demandons pour augmenter ma base boy là. Parce que nous-mêmes, nous sentons confortables pour le national. Y'a dans la rue avec nous toute la journée. Y'a dans la rue avec nous toute la nuit. Et toute la journée, y'a toujours avec nous. Et y'a toujours parlé avec nous. Quand même, nous féliciter Bon Dieu qui a fait un bon travail. D'après déclaration de l'IFEN, Radio Télémétronome, directeur général de la police nationale à France LB, nie toute information qui vient pour eux avec délocalisation base brigade opération intervention départementale de l'Ouest Laboy. Nous le disons tout, dans la même journée manifestation, il y a un groupe protestant qui a été planté pour quelque chose devant le bureau intégré des Nations Unies pour continuer à mettre des déploiements de forces multinationales qui pouvaient contrecarrer l'action gang dans le pays. Donc, nous excusez-nous pour quelques problèmes techniques qui gagnent dans le système. Non, qu'on y a, nous pour aller dans Canala, dans Wanamet, pour nous dans qui Jean travaille, nous pour aller rejoindre Jodelet Junior Saint-Ville pour une mise à jour. Travail construction canal irrigation rivière Massacre pas campé, malgré quelques matériels qui tombaient en panne. Pour qu'on y a là, gagne un pile roche, il commence la guerre dans deux beaux canaux là. Pil wash si la yo moun kapab wè nan debò rivyèya, se spesyalis yo ki mete yo. Ki nou teknik yo? Ki jan ak pou ki sa yo mete yo kon sa? Se kek kesyon enjenyeur sivil se nou Toussaint kap kolabori nan konstruksyon kanal la, te repon VOA Kriol. Yon anrochman ke nou fè, e wapwè nou fèl de manye naturel. Se tan pou son blo ki pren wash yo ki vin de rose yo la.
Mais il y a une autre stratégie que nous utilisons avec eux pour ne pas glisser aller. Nous sommes obligés de faire un béton, nous l'aider dans des deux. Donc, il n'y a pas une solution béton cyclopéen, mais on dirait qu'il y a à peu près un béton cyclopéen. Ingénieur Sénon Toussaint Raposé Boldi, travail en rouge important en pile dans ce qui est à la protection du canal. On a reconnaître. Ça capable de présenter en même temps un gros danger pour les gens qui viennent bien là-dedans. Donc, nous faisons en amont et en aval l'ouvrage là. Donc, déjà, nous avons travaillé en aval dans la cause de gabion. Et puis, nous tout faisons en rouchement une fois. Ça qui fait nous mettre en roche aux gens là, nous avons en rouchement. Nous avons fait des rideaux devant pour te protéger beige celle là. Il n'y a pas de fouillement. Donc, pour ne pas avoir un fouillement devant beige, rideau qui nous mettons campé. Donc, c'est que nous avons marqué danger là-dedans. Parce qu'il y a un risque. Si on a une like école là pour baigner, peut-être que Jean Washio nous a implanté Washio, il y a des problèmes, mais nous avons mis des panneaux de signalisation pour éviter le danger de la vie. Ou toujours souverain ou à créole, ou à suivre un programme dans la langue créole haïtien. En autre fois, encore nous disons, excusez-nous pour le système. Non. Eh bien, qui a venu sélection féminine haïtienne après élimination de samedi soir devant Porto Rico 1-0 dans un match de barrage Coupe d'Or 2024, la première édition. Marie Sophonie, lui, Abvina détail. Haïti tombé devant l'équipe Porto Rico à 0-1 dans 4 matchs barrage qualification Gold Cup féminin 2024 là dans DIT Fax Sports samedi 17 février qui s'est passé là. Grenadiers ont raté occasion pour te marquer l'histoire pour une deuxième fois. Malgré une possession ballon à plus que 70%, ça pas empêché joueuse portoricaine Aguilera te jouer un ouverture score pour l'équipe li sous pénalité dans 40e minute jouette là. Ak plis passe 3 occasions clés dans tout match là, Haïti pas rivé égaliser. Gen supporter équipe haïtienne qui croit équipe là pas gen chance. Lè yo considéré pénalité capitaine Nerili a te raté dans 77e minute ak ballon Batcheba qui te touché poteau dans fin rencontre là. Bon côté pal, qualité Isaac Chwedenski, c'est quelque parmi joueuses qui m'a des pays à esquisse pour défaite ça. Moi je connais que les difficiles en ville pour nous pas décourager et nous-mêmes en tant que sportifs en tant que monde qui travaille pour pays nous apprendre ce travail pour nous porter la victoire prochaine fois parce que nous pas pépé à terre. Sous visage fanatique yo, c'était désolation totale. Une ancienne de l'équipe 74 haïtienne Ernst Jean-Baptiste alias Zenono expliquer désolation. Il fait mal à pied. On va exprimer vraiment parce que Papa Moril, une joueuse sélection féminine qui était présent pour garder petite li qu'elle pas trouvé depuis des années, a dit nous ça le senti. Pas l'autre bagaille qui triste. Malgré mes amis fait un téléphone, nous avons une pénalité, mais c'est pas fini. J'espère que vous êtes capable de prendre courage. Votre compétition est capable de bailler le meilleur de vous-même. Bon côté portoricaine, c'était la joie. Yo fait éloge Haïti et estimé yo t'es chanceuse. Gardienne Martinez déclaré. Jusqu'à présent, c'est plus bon match. Nous pas de paix. Même si nous pouvons combattre Haïti avant, nous te chances en pile. Haïti c'est une bonne équipe. Fois ça, équipe nationale féminine senior pas arrivé à atteindre objectif li. Malgré présence plusieurs nouvelles grenadiers qui te rejoint l'équipe là. Laurie Anne, une nouvelle venue promet qu'elle n'est pas abandonné sous premier essai ça. L'a tourné pour venir défendre Bicoloa. Et il espérait un jour aller visiter Haïti. Bien sûr, je resterai ici si je pouvais jouer avec cette équipe pour le reste de ma carrière, je le ferais. C'est vraiment une belle équipe, puis j'aurais pas joué pour n'importe qui d'autre. Après désolation ça, en pile question à poser. Quelques observateurs croient que Federico Gonçalves faillit à la mission. Est-ce qu'elle a continué à entraîner l'équipe ça? Dans une conférence après match, l'été répondre et assumer responsabilité des faits là. Moi j'assume, quand je fais mes choix, bon ou mauvais, j'assume, j'ai aucun souci là-dessus. On pourra me critiquer, on pourra dire ce qu'on veut, mais il faut laisser les filles. Si entraîner à pas quoi un changement staff chaque 6 mois et qu'on est travail à propos fini, fanatique à quelques dirigeants football haïtiens pensent. Nous va garder un staff haïtien, sous votre couche et nous capables. Et puis on se va contourner la souffrir là. Et ça peut être fait ça, yo. C'est notre cœur nous sorti. Faut nous changer la situation ça. En tout cas, c'est l'avenir qui a dit nous plus. Marie Sophonie, lui, depuis Carlson, Los Angeles, California, pour VOA Creole.
Merci Sophonie, nous comprenons que tu as une pile douleur après élimination Haïti dans un match pour un pile observateur mon cap analyser, il dit c'est un match qui était prenable, Haïti était capable et calé et puis qualifié, mais c'est pas ça. Et puis qu'on y a nous arrivé pratiquement dans dernière ligne droite programme là, compas destination, c'est une activité dans New Orleans qui retenu attention envoyé spécial nous Valerio Saint-Louis, les trouver dans New York. Semaine passée, dans le cadre d'activité Mardi Gras dans la ville Nouvelle-Orléans, un pile compatriote haïtien te répond présent dans la ville. Et promoteur tout ça, qui relè compas destination, te proposé plusieurs belles soirées dansantes, côté que musique haïtienne te à l'honneur dans la ville Nouvelle-Orléans. VOA Creole te parlé avec quelques monde qui sorti tout partout pour venir participer dans l'ambiance compas destination. Ça. Non, moi c'est Linda, moi sorti à Atlanta, Georgia. Moi à Fallo destination compas depuis bien longtemps. Non, moi c'est Emma et puis moi je suis du côté de Californie, San Diego. Et que raison qui fait là, moi je viens fêter avec Destination Compass en tant que moi je viens à New Orleans for the first time. C'est la première fois, ma vraie dire. Et je suis toujours rêvé de me faire parce que je trouvais que c'est un projet qui est différent. Tu vois, et je pensais que c'est le genre de projet que nous avons besoin pour musique haïtienne. Et qui besoin de nouveauté, qui besoin de l'autre proposition. Nous t'ai parlé tout avec promoteur. Non, moi c'est Nathan Fragelus, moi c'est nèg Port de Paix. Bon, là dit moi nèg en dehors, me lever Port de Paix et moi c'est un jeune qui et porter compas en l'autre côté. Première soirée, c'était un bal masqué. Malgré un petit faïna et l'appui, grand public l'a fait déplacement. Habiter dans la ville là, c'est ma vie. C'est bien ça. Son belle ambiance. À l'affiche, Beijing à Cadillac. Accueil là, t'es très chaleureux. Un plaisir pour moi, franchement, son autre vibe. Son vibe différent, son autre accueil. C'est un plaisir pour moi pour me devenir pour la première fois dans New Orleans. Tu parles de tenue, hein? Tenue différente, ouais. Bien sûr, mais c'est carnaval. C'est carnaval. So, m'oblige à mettre mon petit genre extra pour me faire public la plaisir et puis pour me conforme avec l'activité. Ça fait première fois que nous venons à New Orleans et l'accueil a été chaleureuse. Et Mounio était vraiment avec enjoy, au capable de ça. Et nous avons joué un peu de musique qui hit, Mounio chanté, célébré. Je crois que mon album qui finit déjà. C'est depuis avant que je suis rentré à l'album, j'ai commencé le travail. Donc, je suis venu à l'album pratiquement fini. Et retenez l'album parce que c'est un album qui n'est pas joué après le sorti. Là, Beijing, Cadillac, c'est la première fois que je regarde maintenant. Je suis très content de Beijing, c'est une artiste que j'aime. Et Cadillac, c'est un ami, ça fait longtemps. So, je regarde performance, je suis très content de Beijing, Cadillac, il réagit bien, il enjoy. Parce que Benan a bien joué, mais Getty Terra qui vous fait toujours. Ça est inoubliable. Non seulement nous venons là, pour Beijing et puis New Orleans, son côté, c'est toujours bien venu. En deuxième partie, c'était Crayola qui te mettait en pile animation. C'est mon expérience à Destination Compas. Et c'est la première aventure moi tout, bon, c'est là. Et je suis très content parce que c'est une ville qui rappelle ma pile bagaille. C'est une ville artistique, purement artistique, qui rappelle Jacques Mélenville, qui rappelle mon Cap en ville, qui rappelle l'ambiance juste extraordinaire. Tidjo Zeni t'est présenté par le public là, deux artistes que le fait signer en bas la belle lia, qui c'est Pablo et Melo. C'est Pablo, c'est le premier artiste que. C'est le premier artiste que AWM signe, qui c'est la belle Tidjo Zeni. C'est avec un pile plaisir à soi pour me donner des caméras Voix de l'Amérique. Que nous avons suivi, même pour que j'aime rencontrer en personne. Bonsoir la Voix de l'Amérique. Nova Mcemelo, son jeune beatmaker, ingénieur de son. C'est un plaisir pour me là ensemble avec nous à soir. Deux artistes ça pour première fois voyager vin jouer aux États-Unis. Un week-end dans ville Nouvelle Orléans qui était chargé. Dans samedi soir, c'était tout pas sa femme. L'autre fois encore, VOA Creole est sous place pour retransmettre en direct événement culturel ça. Pour VOA Creole, Gary Altidor, Fred Kaimit, Valerio Saint-Louis, depuis New Orleans. Et puis, il y a une équipe solide VOA Creole là qui t'a bien passé l'autre bois. Mes amis, ancien président Donald Trump dévoile une nouvelle ligne, un nouveau Mac Tennis Cap 20, mes amis, tendez bien, pour presque $400. Ça, je vous dis, ça me dit non plus.
Ancien président Donald Trump lance propre ligne Tennis Palace samedi 17 février passé, un tennis roulette doré qui coûtait $399. Monsieur Trump fait annonce ligne marchandise liya pendant l'exposition Sneaker Con, exposition pour attirer fanatiques tennis dans la ville Philadelphie, État Pennsylvanie. L'ancien leader américain dit, moi j'ai envie de faire ça depuis longtemps, avant d'être encouragé jeunes électeurs américains pour aller voter dans l'élection primaire. Après Monsieur Trump te fini quitter Philadelphie, il prend route d'État Michigan pour participer à un meeting populaire qui s'est premier campagne depuis l'œil en juge dans New York te fin passer l'ordre pour payer $354,900,000 dommages et intérêts dès que l'été grossit l'agent richesse pour faire banque prêter de l'argent dans un coup de pas comprendre. État Michigan a organisé deux compétitions pour nomination parti républicain en date 27 février et date 2 mars Capvilla. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et c'est avec le dernier reportage Serge Rodriguez là que nous avons mis fin dans le programme. C'est un plaisir. Comme d'habitude, pour nous te servir, nous faisons commencer ce matin et nous souhaitons que vous fassiez ce matin encore avec nous. Comme d'habitude, moi c'est Jacqueline Bélizère. Bonsoir et à demain. Merci, gentil Augustin Junior.